Mes chers amis, c'est la fête de un apôtre, Saint Barthélemy. Et aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean nous présente cette rencontre entre Philippe et Nathanaël. Une fois ayant fait la connaissance de Jésus de Nazareth, alors Philippe, après avoir retrouvé Jésus, il va voir son ami Nathanaël pour lui dire: nous avons trouvé le Seigneur, nous avons trouvé celui de qui Moïse, la loi et les prophètes avaient écrit. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël, il est clair que Nathanaël reste surpris. Il dit: de Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Philippe reprend: viens et vois. Le père de l'église affirme qu'il est difficile de comprendre comment ces hommes, qui certains parmi eux n'avaient pas trop d'éducation, il est possible qu'ils étaient même illettrés, quelques-uns parmi, il est possible que ce soit des gens qui n'ont pas assez de culture du temps, qui n'ont pas été disciples des rabbins, qui peut-être ne fréquentaient même pas les synagogues, c'est-à-dire ils n'étaient pas des gens de poids social et religieux. Mais comment est-il possible que ces gens, qui déjà étaient pleins de doutes et d'hésitation, de peur, de crainte, lors du vivant de leur maître, c'est-à-dire quand Jésus était avec eux, ils étaient très imperméables à l'accueil de la bonne nouvelle. Mais comment est-il possible que même du vivant de leur mission, comment est-il possible que ces hommes, déjà quand leur maître était vivant, ils avaient peur, ils n'avaient pas le courage? Comment, disent le père de l'église, après la mort de leur fondateur, de leur maître, oui, comment est-il possible qu'ils aient eu le courage de penser à une telle entreprise, porter le nom de Jésus-Christ, son enseignement, au monde entier, jusqu'aux îles lointaines? Comment est-il possible, si ce n'est que par l'action de quelque chose qui leur a même dépassé, qui leur a donné une force terrible, qu'ils étaient eu témoin de quelque chose de divin, de si fort, que leur peur, leurs doutes, leurs craintes étaient totalement détruites par cette force, cette vision? D'où vient la force? Et ils répondent: la force vient de la résurrection du Christ. Ils ont été témoins déjà par moments de la divinité de Jésus de Nazareth. Ils l'ont vu, certains parmi eux, Pierre, Jean, Jacques, au mont Tabor. Lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, resplendissant, lorsqu'ils ont vu le mort revenu à la vie, les aveugles guéris, le boiteux qui marchait, le lépreux purifié, alors ce n'est que par cette assurance que ce gens ignorants, petits et faibles, craintifs, qu'ils ont pu penser à une telle entreprise. Et en réalité, dans le même évangile de Saint Jean, lorsqu'on discute sur l'origine
de Jésus de Nazareth qui se présente comme le Messie, il y a d'autres qui disent, certains disaient, c'est le Christ, loin, celui qui est le Messie, celui qui a reçu l'onction, mais d'autres disaient, est-ce que le Messie devait venir de Galilée? Ne dit pas l'Écriture que le Christ devait descendre de David et venir de sa ville natale, Bethléem? En effet, Bethléem se trouvait dans la région de Juda. Et la Galilée, c'est à quelques 2h30, 3h, concrètement, le lac de Génézareth. Les monts de béatitude, selon la tradition, la Galilée se trouvait à quelques 2h30, cela dépend de la distance de l'endroit. Mais il y a une grande distance entre Galilée, la région de la Galilée, et Jérusalem, proche de Jérusalem, au sud, et Bethléem, la cité de David. La ville de David, de la naissance du roi David. Alors, de Bethléem. Alors, beaucoup de gens se posent la question, mais ce qui importe pour nous aujourd'hui, que nous fêtons à cet apôtre qui est mort, selon la tradition en Inde, martyrisé à cause de son travail missionnaire. Alors, cette guerre, c'est une telle entreprise, c'est un suicide, c'est quelque chose d'impensable. Ces gens, si simples qu'ils sont, ne peuvent pas par eux-mêmes penser à une telle mission, une telle entreprise, évangéliser, porter une nouvelle au monde entier. Ces hommes, la solution, mes frères, mes chers amis, ce n'est qu'ils ont reçu la force de l'Esprit Saint. La même chose que nous pouvons penser pour nous alors, pour nous aujourd'hui. Comment est-il possible que je pense que Dieu peut changer ma vie, me donner la joie à partir de cette petitesse, de cette faiblesse, de cette incapacité que je porte en moi-même de croire, d'être fort, de me mettre debout? Comment est-il possible? Dieu ne peut pas me pardonner de cette manière. Il ne peut pas aimer l'homme avec mes péchés. Impossible. Ce qui est impossible à Dieu, impossible aux hommes, est possible pour Dieu. Alors crois, mon ami. Crois et marche. Mets-toi debout et marche. Marche. C'est la même chose que le Seigneur disait à Moïse. Et Moïse dit, je ne connais pas parler, je suis un enfant. Je ne connais même pas bien parler. Qu'est-ce que je veux dire au Pharaon? Comment m'envoies-tu? Dans le livre de l'Exode, le Seigneur répond, Yahvé dit à Moïse, mais qui a donné à l'homme la bouche? Yahvé répond, qui fait d'une personne muette ou surmuette? Qui donne la capacité de voir ou de rendre aveugle? Ce n'est pas moi. Alors, si c'est moi qui t'envoie, alors va. Va seulement, car c'est moi qui t'envoie. Alors, mes frères, mes chers amis, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui à travers la fête de Saint-Barthélemy. Il nous envoie. C'est lui qui a l'origine de tout. Toi seulement, tu pars, c'est moi qui vais parler. Toi, tu es un instrument pour moi. Pour que beaucoup de gens se convertissent, dit le Seigneur Jésus-Christ à Saint Paul lors de sa conversion. Demandons au Seigneur cette grâce.